Bonjour à toutes et à tous, c'est le Goomba. On se retrouve sur Trial of Mana sur PlayStation 4. On continue l'aventure avec Riz. Et puis voilà. On va essayer d'avancer un peu dans l'aventure. J'essaie de faire d'augmenter un peu le temps de la vidéo. C'est une fleur. Et j'ai encore diminué le son de... Oh, un coffre. Ah merde, mais... Ah ouais, je l'ai pas vu. Backup. J'ai encore diminué le son de la musique du jeu à une coupe céleste. Ouais, ça permet de nous régénérer, si je dis pas de bêtises. Non, de faire revenir un allié à la vie. J'ai regardé un peu commencer du moins regarder la vidéo du Hooper sur la démo du jeu et un nouvel ennemi hein. Ah voilà, très bien joué. Et c'est intéressant de regarder parce qu'en fait lui il a pris pour la démo du moins. Il a pris Kevin. Donc comme ça, ça m'a permis de voir un peu une autre histoire. Quoi. Je trouve ça assez intéressant. Je sais pas si on va être nombreux à prendre Riz en perso principal. Allez, hop, un peu de combo, un peu d'action. Après, le petit truc qui est un peu chiant, je trouve, c'est que... Enfin, du moins pour ma part, hein, à cause de cette saloperie de virus, je ne sais pas quand j'aurai le jeu final et quand est-ce qu'on pourra continuer l'aventure avec le jeu complet, quoi. J'ai même carrément été sur le site de Square Enix et en fait, c'était écrit qu'il fallait commander, ou même pour les précommandes, une certaine date, parce qu'ils allaient reprendre vraiment les livraisons beaucoup plus tard. Et en gros, ça serait mort pour avoir le jeu à sa sortie. Sur Amazon, il y est déjà pu. Et en rupture. Je sais pas. Oh, impeccable. Oh, non, il a morflé celui-là. Ah! Ah non, je croyais que j'étais passé niveau 3, c'est juste là le l'AC qui est à 200%. C'est pour les attaques chargées, si je dis pas de bêtises. Hop, un petit coup de sauvegarde. C'est important de sauvegarder régulièrement. Après, je me demande quand on va avoir le... Quand est-ce qu'on va avoir... Putain, ça se voit qu'il est niveau 3 lui, le Toad. Quand est-ce qu'on va avoir les... nos alliés, nos camarades là. Ouais, ils sont niveau 3 ici. Ah bah ça y est, j'y suis. Niveau 3, impeccable. Impeccable, impeccable. Bon bah y a rien à ramasser par ici. C'est juste un trou là-bas dans la roche. J'ai pas trop fait gaffe. Il y a encore un ennemi en l'air. Ouais, dans les airs, une sorte de libellule. Alors, on voit bien la différence. Ouais, attaque aérienne là, mais ça j'avais bien compris. De niveau là. Faut plus bourriner. Pour les matraquer, encore des petits pots. Ah, un bonbon, ok. Voilà, un coup critique. Et dommage. Paf, encore un coup critique. Hop, hop. Une statue juste ici.
Mais en tout cas, bah moi ça me... Franchement, je kiffe là ce petit Tree of Mana. Je suis impatient de pouvoir l'avoir, de faire l'aventure. Bah, je continuerai, je pense, en vidéo de toute façon. Bon, je sais pas ce que c'est de cette statue, sorte de gobelin, de. Oh, je ne sais plus. De gargouille, voilà. En tout cas, ça m'a donné envie de me prendre, à moins que faut être patient, je sais pas. De. Pourquoi faut être patient? Je raconte de la merde. De me prendre, c'est la collection of Mana sur Nintendo Switch pour voir vraiment ce que ça donnait. Le même jeu, mais voilà, avec des vieux graphismes. Franchement, je trouve ça vraiment bien. Après, on va, le dernier jeu, on va dire, dans cette lignée. Dernier RPG, j'ai pas compté Pokémon quoi, mais Pokémon épée, mais je vais plutôt compter Octopath Traveler. Hein. C'était vraiment mon dernier jeu, mon dernier gros RPG de fait. Hein. Ça m'arrive d'en faire, mais bon, voilà, là maintenant j'ai tellement de jeux à faire. Tandis que là, celui-là, à ce qui paraît, il est pas long. C'est du lac. Ah ouais, là-bas. Ok. Belle vue. Bien sympa cette forêt. Ouais, il y a encore un truc là-bas à ramasser. Ah, puis un coffre. Et en fait, pour Trial of Mana, si je me démerde bien, parce que là je suis encore actuellement sur un gros jeu, et bah, faut que je me démerde de le finir avant que le. Mais bon, j'ai déjà plus de 20, une vingtaine d'heures. Je devrais l'avoir fini pour la sortie de Trial of Mana. Parce que maintenant j'évite de faire plein de gros jeux en même temps. Parce que franchement, ça tue le truc, l'immersion. Maintenant je les fais un par un et je joue à allez, un jeu à côté pour vraiment changer d'air on va dire. Donc c'est pour ça au mode runner c'est très bien. C'est pour ça aussi il y a moyen d'avoir Trial of Mana et le SnowRunner en même temps, ce serait vraiment super. Où est-ce que je dois aller là? Ah par là, il y a une étoile, on va continuer un peu en haut. Jour. Ah, parce qu'on était à la nuit là, non? Ah non, c'est la nuit qui tombe là, non? Jour. Bah ouais, bah, c'est bizarre. Bah non, bah. Ouais, bon. Ok, bon, on va retourner. On va aller voir par là. Allez, on va tenter l'attaque là. Voilà, la lance ouragan. Bram! Bien morflé. Ce petit Nico-bombe. Viens ici. Plus 5% à remporter la victoire en 30 secondes. Ah ouais, faut aussi se dépêcher. Hop, comme ça on se re-soigne. Puis pas boulot, hein. Tant qu'on est à côté, autant se soigner. Bon, alors c'est par où? Par en bas. On va lui. Oh, il fait chier. Voilà. Son résistance est. Ces petits champis. Alors après je sais pas s'il y a des faiblesses pour certains. On va aller vers d'abord vers l'étoile là. Ah c'est bien la caméra qui change. Cascade qui est bien foutue.
faut aller par là. Ah bah voilà, c'est là. Ouais, aller à la grotte de là. Parce que... Mais j'aime bien explorer, donc... Oh. On peut pas rentrer. Trouver un moyen de détruire la barrière. C'est embêtant, là. Quelqu'un qui a... Ah ouais, donc c'est même pas moi. Pourtant, j'ai des pouvoirs, mais non, c'est pas moi. Ah bah y'a encore... À moins que c'est le mec que j'étais voir. Ah non, bah voilà, c'est où hein. C'est là. Je vais dire au moins que c'est le mec de tout à l'heure. On se met des bonus. Si vous ne subissez aucun dégât. Ah ouais, donc c'est vraiment. Si on veut farmer, quoi, faut faire gaffe. Ah ouais, ok, d'accord, il y a carrément un village. Cité Locus Astruio. C'est encore bien beau tout ça. Ah, il y a plusieurs trucs. Ce qui m'intéresse, moi, évidemment, là, c'est ici. Là, voilà, des armes. Essayer de. Ah, puis lui au moins il a pas été dévalisé là par les lycanthropes là. Bon, est-ce qu'il y a du matos pour moi? Là il y a des petites lances. Bah, c'est impossible, carrément des pieux. Alors. Welcome. Bienvenue. Un javelot long. Bon bah plus 3. Ah, oui. Et plus 6 en magie, c'est ça que ça veut dire. On va l'acheter, de toute façon j'ai. 200 machins. Équipé maintenant, oui. Au fur et à mesure, la difficulté va monter. Donc, le. Bah voilà. Ouais, ça ressemble plus à grand chose, hein. Franchement. Ouais, javelot, puis sa belle lance qu'elle avait. Là-bas, je présume que c'est l'armure. Comment on fait? Ah, un petit truc. 2 PO, ok. Piétine les fleurs. Ah, il y a encore un truc ici. Un bonbon. Ah, il y a pas mal de trucs à ramasser. Ah, ça, franchement, ça fait Zelda, là. Ça fait penser dans Breath of the Wild, là, la tenue... Peut-être dire une connerie, tenue de chasseur, je ne sais plus du tout. Bon, il pionce lui. Bon, comme ça, je suis niqué. Il parle d'un vendeur. Mais je me demande quand est-ce qu'on va voir nos camarades. Si on va les voir avant. Si on peut les voir avant. À la fin de cette démo ou pas, quoi. On aura notre team. Alors après j'ai été faire un tour comme je vous ai dit sur le site de Square Enix pour voir, pour essayer de l'avoir et compagnie, et j'ai vu qu'on pouvait changer de classe et devenir beaucoup plus fort, accumuler des classes en fait. Bah, quand je vois ça tout de suite, moi je pense à Octopath Traveler, et après on devenait pété avec les classes, les différentes classes. Une corde magique, donc c'est une corde comme dans Pokémon pour sortir des grottes que bientôt mur, non? Allez, comme dans Mode Runner, on va tout brouiller, je suis citrouille, mais non, on ne peut pas. Voyager de par le monde, c'est ça, il n'y a pas grand chose d'intéressant par ici, mais nous vous accueillons malgré tout avec un grand plaisir. Mais intérêt, ça c'est que des arbres centenaires qu'il y a ici, là. Balèze. Ah ouais, c'est Schmeck qu'il faut aller voir. Là-haut, je vois qu'il y a encore quelque chose. Putain, c'est dingue tout ce qu'il y a. En fin de compte, les PO, là, c'est pognon, ça, non? Ah, mais il y en a encore là. PO, si j'ai
Bien vu. Mais il y a égo. Ah non, mal vu. Personne ne veut me croire, mais je l'ai vu une drôle de lumière flotter au-dessus du lac, peut-être. Je sais pas si c'est le même gars qui me l'a dit tout à l'heure. En tout cas, ça fait déjà deux fois quand même. 6 PO. Ok. Bon. Encore jouer quelques minutes. En fait, la dernière fois quand j'ai fait le montage, je pensais être à plus de 20 minutes, mais en fait, pas du tout. Vraiment beau. Encore du loot là. Putain, mais il y en a partout, c'est pas possible. Il y a encore un truc là. Bon, je vais parler à Shtom là parce que. Malédiction, j'ai réussi à m'enfuir de Jade, mais à présent je suis coincé ici à cause de cette barrière. Je n'arriverai jamais à rentrer chez moi. Wendell. Ouais, Wendell, faut aller voir le mage ou je sais plus quoi de la lumière. Je crois que je devrais passer la nuit ici, ça non. Quand même que la barrière disparaisse comme ça en pleine nuit. Je peux toujours aller voir. Ah, je sais pas si j'ai des graines. Ah, ben j'en ai. Clac. Oh, suie de Mordragon. Une fléchette, ok. Et une coupe céleste. Dieu, le niveau du pot il a pas trop monté. Bon, on va essayer de dormir ici. Dormir. Ah, on peut sauvegarder. Bah. Ouais, bah pour moi, écoutez, on va sauvegarder. On a un petit peu avancé. Et puis, bah, voilà, on se retrouve pour la suite. Je vous remercie à tous de suivre cette aventure sur Trial of Mana sur PlayStation 4. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit com. Après, n'hésitez pas à dire, juste pour savoir comme ça, en commentaire, quel perso vous avez choisi en perso principal. Juste pour savoir, par curiosité. Come again!